Dinor, CDF. Attention, lance grenade. Salut à tous et à toutes, c'est Tina CDF de retour pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je suis là pour vous présenter l'épisode numéro 19 de notre série Let's Play sur Far Cry 4 PS4. J'espère que vous êtes tous très bien et cette fois-ci on se retrouve sur Far Cry 4. Et oui, comme vous pouvez voir, j'ai eu toutes les meilleures armes du jeu. Donc le petit pistolet que j'ai acheté sur truc, la mitrailleuse avec qui je nique tout le monde, le harpon de je sais plus trop qui, et le lance-boule avec lequel j'avais fait un kill, et ce kill était autre que l'aigle que vous aviez vu l'épisode de 14 je crois, si je dis pas de bêtises, ou 13, je sais plus. Bref, nous sommes là pour faire l'émission principale. On doit aller à 1400 mètres, c'est assez loin, je vous l'accorde. Mais c'est le plus près que j'ai pu trouver ce point là. Donc on va tout de suite s'y rendre. Il y a que ce délire en fait de ça. Wow. Et les gens en fait, ce qui va se passer, c'est que le prochainement, il y aura tous les épisodes après celui-là, ça va être des épisodes tournés en avance. Pourquoi des épisodes tournés en avance? Tout simplement parce que pour Noël, j'ai offert une manette Burn à mon frère, donc une manette PS4 Burn. Malheureusement, il a pas la PS4, mais il va l'acheter du fait que je lui ai offert une manette. Vous voyez, c'est un petit peu l'élément déclencheur pour le fait qu'il achète une Play 4. Donc, comme il a une manette, il est obligé d'acheter une Play 4. Donc, il va acheter une Play 4 et il va débuter avec deux jeux qu'il va acheter, notamment le jeu Call of et FIFA, puis qui vont suivre. Moi je vais lui prêter Far Cry 4, donc normalement sa play il l'achète le 11, nous sommes le 9 pour moi, donc voilà pourquoi il faut que je tourne tout en avance. Bah le reste en tout cas, une bonne partie, pour dire que j'ai quand même du contenu à vous proposer le temps que mon frère il garde Far Cry, parce que, et une fois que j'aurai plus de contenu, bah je lui demanderai vite fait, parce que si jamais je tombe à court de contenu pendant qu'il a Far Cry, ça va pas trop le faire. Vous voyez, j'ai pas envie d'arrêter le let's play en plein milieu pour faire une pause, une coupure. Tout ça parce que mon frère, il a tout simplement le jeu et que je peux pas y jouer pour vous faire la suite du let's play ou alors éventuellement des missions secondaires. Par contre, à ce sujet-là, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez, après le let's play, donc la suite du jeu, c'est-à-dire, comme vous avez pu voir, j'ai débloqué toute la carte. Parce que je me suis un petit peu amusé en solo ou avec des abonnés. D'ailleurs, pour ceux qui sont venus m'aider à libérer tous les petits camps et tout et tout et tout, ben je les remercie bien, même s'ils n'ont pas fait grand chose parce qu'ils étaient niveau très bas. Lol. Et ici, il va falloir qu'on y retourne. J'ai envie de les niquer, ces bâtards. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, pour tout ce qui est mission secondaire, donc ça, toutes les missions comme ça secondaires, est-ce que vous voulez qu'on se les fait en vidéo? Dans les cas où quand vous voulez qu'on se fait en vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Ça pourrait m'intéresser. Bah, je le serai en fait pour la suite. Voir, parce qu'après Far Cry et après Assassin, j'ai plus rien à vous proposer en let's play. Donc ça va sûrement être un stand-by, ça va être du Minecraft. En attendant que Dead Island 2 sorte, en attendant qu'il y ait des nouvelles sorties de jeux vidéo en fait, tout simplement. Pour que je puisse ensuite vous proposer ces deux jeux-là. Après, c'est à vous de voir. De quoi neutraliser? Moi je te neutralise ta race. Merde, je me suis trompé. Oula. Problème? Problème? T'as un problème maintenant? Moi je te nique quand tu veux, bâtard. Attendez. Il est là. Va te faire enculer, toi. C'est mort. Et hey, ton collègue, au fait, je l'ai niqué au lance-patate. Donc tu diras à tous tes autres. Bah non, tu peux pas, vu que t'es mort. Je suis con. C'est-à-dire, tu diras à tous tes autres qui arrêtent de m'emmerder, mais ça va être dur. Oh! On vient d'avoir un film en 3D, les gens! C'est quoi, c'est un film porno ou pas? Putain, j'aurais bien aimé un film porno en 3D.
Eh, hey, faudrait que je m'en mate un jour, ça doit être kiffant. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui a déjà maté un film porno en 3D? Ça doit être kiffant, ouais. Avec l'Oculus Rift. C'est pas un film. MDR. Ah, ça, c'est des trucs à test. Et j'ai eu cette arme-là, parce que ça, je voulais pas encore montrer. C'est le lance-boule avec lequel j'ai niqué le... C'est quoi, ça? Ah, un combat d'ours! Trop bien! Merde. Et vous savez que le harpon one-shot les ours? Ça, par contre, je le savais pas. Il me court dessus, tel un léopard, et moi, je le plombe. Oh, comment il s'envolait! Comment je le fais décoller! Son. Eh, vas-y, toi. Ouais, j'ai besoin de ta peau d'ours, hein. Quand même, je vais la revendre vu que je t'ai tué. Donc maintenant, on va aller retrouver, je crois que celui, c'est des brebis galeuses. Et l'émission principale, c'est... comment il s'appelle? Sentier d'or. Oh putain, il est toujours bien armé, cet enculé. AK-47. Pour la suite. Ah, et le seigneur dit, qui enverrai-je? Et tu répondis en disant, me voici, envoie-moi. Ta dévotion me va droit au cœur. Et le seigneur... s'en réjouit. Il y a une autre brebis égarée. Tu sais quoi faire? Je la trouve, je la suis, je prends les diamants et je les rapporte. Par la bouche des enfants. Tu as fondé ta force pour faire taire tes ennemis. Et devenir le vengeur. C'est quel verset? La parole de Dieu ne se trouve pas toujours dans les chapitres et les versets. Où tu es parti? Je rêve où il vient d'armer à l'entrequête et le mec il se barre. What? Mais il est bizarre ce mec, c'est un truc de ouf. Bah allez, on va se retrouver à 300 mètres, il y a une brebis galeuse, on va laisser cela faire. Éventuellement, vu que j'ai les armes les plus cheatées du jeu... Je joue d'un gameplay complètement différent. Donc, dites-moi si cette partie de gameplay vous plaît. Si jamais ça va être comme ça pour. Ah ouais, allez. Lol. Je veux dire, dites-moi ce que vous en pensez, si cette partie vous plaît. Et je pense que je vais revenir quand même à l'ancienne, donc avec des anciennes armes, pour quand je tourne la vidéo. Parce que sinon, forcément, je fonce dans le tas, vu que j'ai des armes cheatées. Donc, j'ai juste à faire comme j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, je tire un trait comme ça, puis on n'en parle plus. Les mecs sont morts. Donc, faudrait que j'évite ça. Parce que c'est de la triche. Non, je... non mais voilà quoi. Ça, c'est pas... comment dire, c'est pas loyal par rapport à eux qu'ils ont des AK-47, qu'ils ont des trucs. Moi j'ai une sulfateuse, oh là je tire un coup comme ça. Bah les couilles mon frère. Donc je pourrais avoir vos retours, en tous les cas je vous répondrai. Hein. Mais la série sera probablement terminée. Je vous dirai quoi dans les commentaires dans tous les cas. Si jamais... voilà quoi. Oh, j'ai un petit message sur Skype, tiens. J'ai même pas vu allumer, merde. J'espère que ça va pas faire bugger l'épisode parce que mon processeur est tellement minable qu'il ne peut à peine maintenir un chien et je ne sais quoi. Donc voilà. Intermittence. Grâce à un abonné. Combien sont-ils? Ils sont deux. Ils sont deux chefs. Deux véhicules ou combien y a-t-il de personnes dans les véhicules? Il y a deux conducteurs déjà. Plus deux véhicules. Lol. Et chef, il y a rhinocéros avec. Gamin. Oh là là, j'ai rien à faire. Ah, c'est là. Alors, brebis galeuse. Il n'arrive pas à monter la montagne, ce couillon. Alors, tuer le trafiquant. Ça a dû faire un petit peu de bruit quand même. Ça fait du bruit, s'en battent les couilles, mais c'est... Je vous jure.
Oui, je l'ai tué à travers la voiture. Alors que tout ce que je voulais faire, c'est exploser la voiture. Ah ouais, lui. Tu fais le mac, toi, bâtard. Je te nique ta mère, moi. C'est marrant. Oh, excuse-moi, mon pote. Bon. Ah, on doit rentrer dedans, quand même. Oh, regardez. Le bidon est dans le sol. Bref, on s'en bat les couilles. Y a quoi fouiller? Y a rien. What? J'ai cru qu'il y avait une porte. Trop vite. Y a du monde? Ah, moi, je veux qu'il y ait du monde. Merde. Oh! Il m'attaque! Oh, tu se les fais revoir, con. Ah, petit bâtard, tu fais le mac. Ouais, je vais peut-être faire ça. Oh, je l'ai harponné, mon pote, mais t'as... il a... Oh là là! Harponnage en cours, mon pote! Oh là. Et... si je l'ai là, je pète un pont. Oh! Oh, victime! Mais ta mère, elle est pas dans mon viseur. Petit cochon, Tina. Tu as fini. Je peux bien insulter les méchants. Mais ta gueule, toi, avec ta langue étrangère. Plus de petit... petit abruti. C'est trop cool de jouer à harpon, en fait. Mais c'est parce que là, ils sont dans une zone restreinte, donc forcément... c'est plus facile... c'est plus facile pour moi. Oh, des diams. Bien sûr, pour sortir, je vais pas utiliser le harpon. Sous les mecs à l'extérieur seront mille fois plus nombreux. Et là, ils avaient pas des AK-47, vous voyez, ils avaient des... des commandos, des... pff, bah, les armes de guerre, quoi, s'il vous plaît. Tout simplement. Donc, voilà, quoi. Apporter les armes de guerre au point de livraison. Déterminé. On rentre à la maison. La bonne voiture. Bah ouais, évidemment. Tina, avec son intelligence, il a pété toutes les bagnoles. Donc forcément, on peut plus rentrer, on va à pattes. Vraiment con, celui-là. Eh ouais. Ah, l'hélico, je l'ai détruit parce qu'il a touché le sol. Ah, bah, il y a un coin. Et les deux véhicules, je les ai fait péter. Donc forcément, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, ça va être dur. Mais bon, pas grave. À part ça, il n'y a rien. Donc après, on va faire une petite mission de sentier d'or. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on va aller voir ce qu'il nous raconte, l'abruti. Et puis après, on avise. What? What? Vous avez grillé? On était dans le sol. Trop bien. Ah, putain, nique sa race. J'ai que ça qu'à faire, faire tout le tour, moi. Ah, moi je suis un rebelle, je vais monter là. Allez, fuck la police, moi je me casse, je vais à patte. Waouh, je suis trop fort. Hop là. Voilà mon frère. Allez, on va en hélico parce qu'on est des rebelles. Le prix élevé, mission terminée. Pourquoi j'ai fait descendre? Remonte. Voilà. Ouh! L'argent, je sais même plus quoi en faire à force. Si j'ai acheté les munitions, mais les munitions, voilà quoi. Pour ce que je fais des munitions, faut que j'achète tout d'un coup en fait les munitions. Et bah, c'est sûr que ça me prend énormément d'un coup, mais bon. Après, quand on n'a pas le choix, voilà quoi, on fait avec. Hein. En attendant, nous allons aller au sentier d'or. Parce qu'on aura encore une mission de soit Anita ou soit Sabal, je sais pas encore, ils vont encore se battre, ils vont encore se traiter le chignon, nous on va choisir un des deux côtés, je pense choisir Anita, ça dépend ce qu'ils vont dire, et après on verra. Ah d'ailleurs, je sais pas vous, bah pour ceux qui font le let's play, généralement, pour ceux qui jouent au jeu, vous regardez pas le let's play, donc forcément, voilà. Mais moi j'ai vu la gueule de Freaky Rat, là, le mec qui parle à la radio,
Il est stylé. Franchement, il est stylé. Il a pas une sale gueule, donc... GG à lui. Allez. On va aller là. Et on va voir ce qu'ils nous racontent encore, qu'est-ce qu'ils veulent. AJ, tu tombes bien. Pagan m'a diffusé un message. C'est quoi ce bordel ? Je sais pas, mon frère. Mais on va le savoir bientôt. Bon peuple du Kirat, je sais que vous serez tous ravis d'apprendre que la nouvelle de ma mort est totalement et entièrement inexacte. Je suis en vie, et tout va bien en ce bas monde. Mais la vie, c'est le changement. Et je t'implore, Kirat, de suivre mon exemple et d'en tirer une influence positive. Le changement nécessite la force. Et cette force, je sais qu'elle est en chacun de vous. J'ai moi-même assisté à des changements dans ma propre organisation. Miss Noor et Monsieur Paul de Pleur, après des années à mon service, ont décidé de s'en aller. Je sais que, tout comme moi, vous leur souhaiterez bonne chance pour leur futur projet. Mais comme eux, nous devons aller de l'avant, sans état d'âme. L'attentat fait à ma vie n'est rien de plus qu'un symptôme de la résistance au changement. Je vous rassure. Yuma Lo, ma fidèle commandante en chef, qui supervise nos opérations minières au complexe KEO, s'interposera entre moi et d'éventuels assassins. Elle préférerait se sacrifier plutôt que de voir quelqu'un me faire du mal. Essayez, je vous mets au défi. Je serais curieux de vous voir la mettre à l'épreuve. En résumé, le changement est bon. Accueillez-le. Votre roi est vivant. Réjouissez-vous. Et Yuma attend, telle une sentinelle. Elle attend. Venez donc. Notre roi est vivant. Le roi, je vais le buter, il va plus être vivant, ce connard. Je vous appelle, mon frère. Les mines. Tu sais quoi faire. D'accord. Exploser les mines. Eh ouais. Donc là, on n'a pas eu à choisir entre les deux, mais au contraire, nous avions rejoint les mines abandonnées. Les mines d'or abandonnées. Ah, sentier d'or, mine d'or. Lol. Allez. On a 400 mètres de là, en hélicoptère, ça va aller très très vite. Éventuellement, on a juste une route à passer, puis on est arrivé en fait. Voilà. Ah ouais, et c'est ce que je crains. Ah, j'aime pas quand il fait ça. Bon, tu vas te calmer là. Ah putain, non. T'es sérieux toi l'hélico de... Mais il est sérieux cet hélico de merde. What? Mon gars, c'est la première fois qu'il me fait ça l'hélico. On me donne la balistique et tu vas crever connard. Non, bon, c'est pas grave. Éventuellement, à part ça... Mais t'es sérieux en plus. Wow. Pétage de plomb les gens. Oh. Bon bah du coup, on se refait la route à pied mais sans véhicule. Qu'est-ce que t'en pensais? Attends, si on a pied, on est sans véhicule. Oh. Comment il se les prend plein gueule. Oh. Ah. Le bâtard va me tuer. Comment je les ai zigouillés trop fort. Oh, j'ai aimé. Non. Je crois que c'était pour nous l'aigle, mais non. Bah là, on doit remonter à pied, ça, hein, parce que là, ouais, il y a un grappin là-haut, donc c'est bon. On va monter à pied. Alors. Donc, vous avez entendu notre grand roi Mine. J'espère que vous étiez content de le voir. Parce que, mine de rien, c'est peut-être notre roi.
Mais c'est comme un président. Eh ouais, il faut le respecter quand même. Même si on veut l'enculer, il faut le respecter. Il faut l'enculer avec respect, les gens. Il faut le défoncer avec respect. Pas tout simplement le traiter comme une merde. C'est notre roi, quand même. Eh oui. Quand on va l'asseoir sur une chaise pour le taper, ou alors quand on va être debout face à lui pour l'enculer, eh ben, il faut prendre des gants en or, par exemple, pour éviter déjà de lui faire mal avec les gants, mais des gants en or, pourquoi? Parce que c'est notre roi, on lui doit le respect en prenant des trucs en or. Donc si par exemple on l'attache, on décide de le torturer, on l'assit sur une chaise, et on l'attache avec des cordes en or, parce que c'est notre roi, les gens. Non, en fait, je rigole. Faut pas croire ce que je dis. Bah les couilles, frère. Moi, je rentre dedans, je dis tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Min, Keo, je sais pas quoi. Il y avait une mission que je détestais, c'était... Oh, il y a un gros tigre. Alors, j'allais appuyer sur triangle comme dans... Assassin pour voir où était le bordel. Là. Lire. Allez, la mission de personne est partie. Bon, on s'en bat les couilles. Ah bah, c'était ça qu'il fallait dire. Franchement, je suis pas fort. Non, ça va quand même les couilles. Ah, une chinoise. T'es dans mon champ gris là, maintenant. Hey, la meuf, elle s'est transformée en mec. Oh, le trans. Dégoûte. Ah ouais, et... C'est toi que Pagan a envoyé pour me tuer? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Avant l'arrivée de ta pute de mère, rien ne lui... Pardon? Personne ne pouvait lui résister. Je vais te rentrer une zeb dans le cul, mon gars. Ta mère. Mais comment elle fait trop la mac? Elle a trouvé un échantillon de notre kirate toxique aérien. Allez, on a trouvé un nouveau, forcément... Un nouveau, par effet, notre partenaire. Notre premier, notre partenaire. Waouh! Ça a transformé le résultat. Ouais, bref. En gros, ils ont fait des tests de... D'ADN. Bah, d'ADN de... Comment ça s'appelle? Il a armé, le mec. Ah ouais. Ah, répète. Je veux que tu ailles dans chaque maison et que tu trouves tous les enfants. Trouve tous et amène-les ici. Je veux que tu ailles dans chaque... Qu'une merde de sang. C'est quoi ce bordel? C'est ce qui s'est déjà passé ou ce qui va se passer? Elle l'a affaibli, ramolli. Elle en a fait cette coquille vide et maniérée. Et depuis ce jour-là, ce n'est plus un roi. Il est brisé. Je dois vous avouer que je ne comprends plus à rien du tout. Bah là, je comprends plus. Déjà que c'était un peu chelou. Oh, elle est sérieuse, la meuf. Elle les oblige à retourner dans leur baraque, sinon elle les fait abattre. Oh bah, par là, y a rien à part un cadavre. Génial. Donc, supposons qu'on doit monter. Et que ici, quelque part à l'arrière, il doit y avoir un truc. Je sais pas si vous voyez, vous, mais moi je vois que... Non, ici, y a rien. On va faire quoi, là, en fait? D'accord. Je m'y attendais pas du tout. Hello! Oh, trop bien, l'arc de ouf! Aïe! Mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Oh, comme il a volé celui-là.
Oh, il a pris cher aux yeux, lui. Oui, il a pris cher. Ah, j'adore les petits effets de ralenti qu'ils mettent sur le truc. Détruisez la porte. Quelle porte? Celle-là? Vous jouez comment? En tirant là-dessus, peut-être? Ouais, je suis trop fort. Peut-être pas rester là. Ah, ou peut-être. Faudra peut-être passer en fait. Ah ouais, faut passer. J'ai cru qu'il y avait un truc qui allait sortir de la porte, c'est pour ça. Lol. Je me plantais. Je croyais que ça s'arrangerait. Qu'il s'en remettrait. Mais non. Ce qui est brisé reste brisé. Il est resté faible. C'est chaud, ouais! Rendez-vous conneries! Putain! Waouh! Eh, franchement, GG là! Il a décroché le truc, il l'a raccroché de l'autre côté, vous avez vu? D'une précision, mon pote, mais tu gères! Continue! Je sais pas comment il a fait! Oh, c'est chaud! Eh ben, attends, on a plus notre arc! Génial! Ouh, il y a un trou là! Il doit y avoir un autre grappin! Qui traîne! Eh, je l'avais vu celui-là. Hein. Youpi. Youpi. Ah ouais, mon pote. Attends, on doit aller où? D'accord. Ouais, je jette Tino, pire que Tarzan, mon gars. Hop là. Ah ouais, en fait, Tino, c'est Tarzan. Ouf, c'était un peu haut, mais c'est pas grave. On s'en bat les couilles, nous. Wesh, vous m'avez cru pourquoi, là? Hey. C'est de la triche, j'ai pas d'arc. Putain, le mec, il s'en bat les couilles, il m'a tiré dessus comme ça. Ah ouais? What? Le mec, il m'a tiré dessus, en fait, pour m'attirer. Ça a marché. Ah, y'a un rat. C'est le rat qui nous a tiré dessus? Petit connard, attends, j'arrive. Hello, poupée. D'accord. On a toutes nos armes, on a plus rien, on a un arc, on a plus rien, on se fait tirer dessus, on revient avec un petit flingue. On m'explique là? Chaud. De quoi chaud quoi? Tu veux un chocolat? Elle veut un chocolat chaud. Pourquoi nous allonger? Elle veut nous tailler une pipe. On sait tous les deux ce que tu veux vraiment. Salut poulette. Pas de jouets au lit. What? Génial. Chant quoi? On est mort? Il est temps de faire ce que Pagan ne ferait jamais. Il est temps de jeter tes cendres et celles de ta mère au cochon. What? Je comprends pas ce qui se passe.
Qu'est-ce que t'as, toi? Un souci? Mais lui, il faut combien de balles, lui? Ah bah enfin! Alors par contre, ça fait quoi si je tire là-dessus? D'accord. Ça explose. What? Elle est venue d'où, celle-là? De ma gauche. Il va se battre. Ah mais c'était P. Bâtard. C'est quoi ce bordel? Effectuer une exécution sur truc. Comment c'est une exécution? D'accord. Ok, il est invisible, c'est pas grave. Et maintenant, on doit le tuer. Oh, comment je l'ai ken. Oh, trop vite. On va le tirer dessus au cas où. Ah, bâtard. Tu fais le marque. What? Wow. Allez, t'as le feu là. Lui, il lui fait le mac. Il est ce petit con. Le batteur. Putain. Chut. Ah, tu es Kikiling, je le tue comment? Je sais même pas où il est. Ah, il est là, ce fils de pute en plus. C'est lui là. Petit con! Bâtard! Bats les couilles, frère. Ouais, mais ils sont trop nombreux, arrête tes conneries, wesh. Ils sont combien, les mecs? Mais arrêtez vos conneries, les mecs, ils se mettent autour de moi, wesh. Ouais, vous voulez que je sois quoi, moi? Je sais pas. Ouais, ils me prennent pour qui, eux? Leur tête, putain, j'ai attrapé chaud avec leurs conneries. Bon. On va passer aux choses sérieuses, j'enlève ma veste. Je vais péter un plomb. Attendez, je mets bien mes cheveux quand même. Alors, c'est parti. Et on le tue combien de fois, le mec? Parce que c'est bien beau de le tuer, mais bon... S'il revient à chaque fois, je vois pas trop l'intérêt. Mais... En fait, il faut le... faut le localiser, cet enculé. Il est là. Et une fois qu'on l'a localisé, il faut le... planter. Cette pute. Sale merde. Bon, ça fait un peu comme le boss de Far Cry 3 en fait, c'est un... On le tue, mais indirectement en fait.
C'est chaud. On est où là? On l'a flagué, oui. Elle est morte. Ok. On a vraiment combattu, mais sauf qu'on était indirectement. Ouais, ouais. On était drogués, du coup on a combattu, mais indirectement. Eh bien les gens, on va se laisser là pour cette. Amita. Oh. Yuma est morte. Tu as tué le démon de Durgesh. Ne t'inquiète pas, AJ. Pagan est le prochain. Oh. Donc, logiquement, dans l'épisode numéro 20, nous terminons ce let's play. À part si, bien sûr, à part si je décide de continuer le jeu, donc en faisant l'émission secondaire, comme je vous l'ai demandé. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cet épisode numéro 19 de notre série sur Far Cry 4 PS4 let's play vous aura plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Si jamais vous avez un commentaire à me faire passer, allez hop, la barre des commentaires. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes ou ce let's play complètement, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou cette playlist. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 20. Allez, bye tout le monde.